c'est parti pour 23 km à peu près jusqu'à la Capelle Marival. Et le temps s'annonce pluvieux. Je vais rejoindre le GR6. Pour l'instant, ça va, ça descend. Mais après, ça va monter. Si je pouvais éviter l'averse. Bon, ce matin, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 7h30. Ça fait du bien. Alors je vais y aller piano piano parce que cette année, l'entraînement a été plus que sommaire. Ce que vous voyez devant vous, c'est le peigne à embâcle du ruisseau de Plagnole. Mais qu'est-ce donc un peigne à embâcle ? Eh bien, un peigne à embâcle, comme son nom l'indique, c'est un peigne. C'est-à-dire que ça sert à peigner les ruisseaux. C'est bon, là ? Non, un peigne à embâcle, cet alignement de pieux que vous avez vu, ça sert à limiter les dégâts dus aux crues. Notamment, ça peut bloquer les troncs d'arbres qui aurait pu être entraîné en amont par la crue du ruisseau. Voilà, c'était la minute aménagement du territoire de cette étape. C'est paisible, j'aime bien. Par contre, faut m'enlever ce goudron parce que ça use mes chaussures. Pour l'instant, le temps se maintient, il pleuviote. Mais ça devrait tomber plus dru tout à l'heure. En passant, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires. Parce que si ça vous fait plaisir de me revoir, moi ça me fait plaisir de vous lire à nouveau. Voilà. Allons bon, ça redescend. Moi qui m'attendais à une montée raide dès le début. Je vois que là-bas, il y a une crête. Je crois qu'il va falloir que je monte là-haut. Je vais moins rigoler. Ah ben quand même, un chemin. Par contre, vous pourriez enlever la boue et goudronner parce que ça salit mes chaussures. C'est vrai ? Je vais devoir prendre pied sur ce plateau.
Mais avant, je pense que je vais mettre la cape de pluie. Parce que la pluie redouble d'intensité. Alors que ce matin, il était prévu qu'il pleuvrait à partir de 11h. On avait dit 11h, les gars, hein? Forcément, au moment où j'ai fini de tout déballer, et au moment où j'ai fini de me battre avec la cape de pluie, il s'arrête de pleuvoir. Ça paraît pas comme ça, mais ça grimpe un petit peu. Mais ça reste humain. Et ce qui est bien, c'est qu'en prenant de la hauteur, l'horizon s'élargit. Alors ça, c'est du répunchou qu'on appelle en patois, et c'est en fait du millet. C'est pas l'asperge sauvage, c'est le millet. C'est une sorte de liane qui est comestible, qui se mange une fois bouillie en salade, tiède avec un œuf cuit dur et du vinaigre. Voilà. Bien, merci pour De ces rien. explications. Cette explication botanico-culinaire m'a été fournie par un charmant monsieur qui était en train de cueillir quelque chose dans la haie. Du coup, ça m'a intrigué. Et c'était quand même mieux que ce soit lui qui vous en parle plutôt que moi. Et avec son accent que j'adore. Voilà, c'était la minute culinaire de cette étape. C'est ça que j'aime bien. On en apprend tous les jours et au cours de ces pérégrinations, on rencontre tout un tas de gens intéressants. C'est cool. Il semble que j'atteigne bientôt le point culminant de cette étape, au terme d'une montée qui aura été, ma foi, assez tranquille. Je dois être à quelques kilomètres de Cardeillac, dont je vous parlerai quand je l'aurai quitté. Alors ça, c'est de la bande-annonce, hein. Hollywood, c'est ridicule à côté. Pardon, on ne dit pas bande-annonce, on dit trailer, le trailer du film. Trailer qui signifie aussi en anglais remorque. Un trailer truck, c'est un semi-remorque. Ce qui peut amener à des situations intéressantes quand on traduit littéralement. Au fait, t'as vu la remorque du film? Non. Voilà, je suis arrivé au point culminant de cette étape, point culminant que je m'apprêtais à atteindre depuis un petit moment. Et maintenant, ça va descendre. J'ai enlevé la cape de pluie parce que s'il pleut plus à l'extérieur, dans une cape de pluie, c'est comme dans les caouets, il pleut à l'intérieur. Ah, ben ça manquait d'animaux. Bien, j'arrive à Cardeillac,
dont vous voyez le fort juste en face de moi. Il doit bien y avoir un bar dans le coin, parce que c'est l'heure du second petit déjeuner. Reprendre de bonnes habitudes nutritionnelles, c'est important. Bien, après cette halte à Cardaillac, il est temps de repartir, il me reste un peu plus de 12 km à faire. Et à Cardaillac, le bar était fermé, mais dans la rue, j'ai croisé une dame qui était, et qui est toujours d'ailleurs, la maire de la commune. Et m'a gentiment invité à la mairie à boire un café, manger un gâteau, et on a pas mal discuté, il faut dire qu'elle a fait 5 fois le chemin. C'était super sympa, voilà, ça fait partie des rencontres du chemin, dont on ne se lâche jamais. Donc merci Sophie, merci beaucoup. Bien, je vous avais dit tout à l'heure que je vous parlerai de Cardaillac. Eh bien, Cardaillac, ça vient de la famille de Cardaillac. Logique. Famille dont l'origine remonterait au 8e siècle, à partir d'un chevalier nommé Bertrand. Chevalier Bertrand, combattit, paraît-il, pour Pépin le Bref. Pépin le Bref. Tu parles d'un nom pour un roi. Je remets la capuche. Alors, je vous éviterai les différentes branches de la famille Cardaillac. Sinon, on est parti comme... il y a 2 ans, avec les Valois. Et si je commence, je vais avoir mal à la tête. Alors, s'il y a des coupes dans la vidéo, c'est normal, ça descend, ça glisse un peu et je ne voudrais pas tomber. Bref, je ne voudrais pas avoir un pépin. Celle-là, elle est subtile. Ou pas. La famille Cardaillac décida de construire une forteresse qui fut assiégée par ailleurs par Richard Cœur de Lion au XIIe siècle. Richard Cœur de Lion qui deviendra plus tard roi d'Angleterre. Cardaillac, pendant les guerres de religion, faisait partie du camp des protestants. Et ensuite, pendant la Révolution, elle accueillit avec enthousiasme la Révolution française. D'ailleurs, Cardaillac connaîtra un pic de population en 1793 parce que le village comptera jusqu'à 1500 habitants. Cela dit, je ne crois pas qu'il y ait de lien de cause à effet entre l'enthousiasme des Cardaillacois et Cardaillacoises vis-à-vis de la Révolution et ce pic de population. Car je vous le rappellerai, corrélation ne veut pas dire causalité. Durant la Seconde Guerre mondiale, le village connaîtra le passage de la sinistre 2e division SS Das Reich, division qui sera à l'origine du massacre d'Oradour-sur-Glane. Voilà pour ces quelques mots sur Cardaillac.
Cardaillac, dont je remercie une fois de plus la mère de m'avoir accueilli et d'avoir partagé ces quelques moments ensemble. Quand même, t'aurais pu leur parler de la famille Cardaillac et de ses différentes branches. Ça les aurait tenus en haleine quelques heures et puis ça aurait boosté les ventes des fabricants de Doliprane. Non ? Petite pause au bord du plan d'eau de Sagne, juste pour essuyer mes lunettes. Opération qui ne servira strictement à rien, puisqu'elles vont se mouiller dans les 2 minutes qui vont suivre, dès que je reprendrai la route. Mais bon, ça me fait plaisir. La pluie a redoublé d'intensité et comme je viens de prendre pied sur le plateau, s'y ajoute le vent. Autrement dit, je ne regrette pas l'achat de cette cape de pluie, qui est quand même nettement plus efficace et facile à mettre que celle que j'avais il y a 2 ans. Tout à l'heure, je croyais être arrivé au point culminant de l'étape, mais je suis redescendu dans la vallée pour traverser Cardaillac, et là, ça grimpe depuis un petit moment. J'aurais dû aller randonner en Beauce. J'arrive à Saint-Bressous. Chez nous, le panneau a été retourné. Au début, j'arrivais pas à lire, je me dis, mais je me suis perdu. Ça s'est nettement rafraîchi avec le vent. Ah bah quand même! Alors les filles, on voulait pas venir me voir, hein. Voilà, c'était la minute vache de cette étape. Et sans mauvaise blague parce que j'en avais pas en stock. Bon, il doit me rester à peu près 5 km à faire. Et là, je vais m'abriter un peu près de ces bottes de paille parce que j'ai faim. Une petite fringale, moi. C'est pas un troisième petit déjeuner, j'appellerais ça un complément de second petit déjeuner. Quel temps de crotte. Bien, après cette pause pain au chocolat, il est temps de repartir. Alors, j'ai sorti les gants parce que, mine de rien, j'ai froid aux mains. Le bonnet. Bonnet que mon fiston m'a ramené d'Irlande, donc merci fiston. Et puis, il n'y a plus qu'à.
bonnet vert cap orange, il n'y a pas à dire, j'ai rentré dans la capelle Marival dans la discrétion. Salut les énarques! Bon, faut vous abriter, les gars, hein, il pleut. C'était l'instant Anne, de cette étape. Mais l'ENA a été supprimée. On va dire Sciences Po. J'espère que personne n'a fait Sciences Po parmi vous. J'arrive enfin à la capelle Marival. Il va maintenant falloir que je trouve mon hébergement, hein, dont l'adresse est près du château. Ça ne devrait pas être difficile à repérer. Et comme l'hébergement en question ne peut pas m'accueillir avant 16h, je vais être obligé de patienter. Pourvu qu'il y ait un bar ouvert. Je vais être obligé d'aller au bar. Bon, chemin des randonneurs, ça doit être par là. Et le château est par là. Donc avec un peu de chance, le bar c'est par là. Et ce château a de l'allure. Alors, il y a de la lumière, et... Oh, c'est un PMU. Étrange. Fin de cette étape qui aura fait un peu plus de 24 km, qui a été quand même assez pluvieuse et venteuse sur la fin, mais qui s'est globalement bien passée. Ça fait du bien de se réchauffer, de faire sécher ses chaussettes. Demain, étape jusqu'à Gramma, qui devrait être à peu près de 24-25 km, avant, après-demain, d'aller à Rocamadour. En tout cas, j'espère que le temps sera meilleur. En attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.